Bon, j'aurais mes crafters ici, c'est LB35, le dormeur de l'enfer. Un axe d'or, immédiatement. Et de dos. Voilà. On est juste devant notre destin. Lol. Et l'OL. Waouh, bonjour notre destin. Notre inventaire est sauvegardé tant qu'on est dans notre le donjon. Destin, comment si au bout de 20 minutes, on va dire, non, 30 minutes, donc un épisode de 30 minutes. On entend le chrono. Ouais, on a. Oh, un levier, n'appuyez pas dessus. Si jamais au bout de 30 minutes on n'a pas trouvé quoi que ce soit et qu'on a survécu à peu près correctement et qu'on est content d'avoir attendez, faut faire quelque chose là. Attends, j'ai vu un morceau de redstone se casser. Ah voilà. Merde. Power Rangers. Voilà. Power Rangers en mettant notre. Pas du tout. Absolument pas. Zéro. Voilà. Et à partir de maintenant. C'est best en spirituel, fait Mr. Fanax prenne d'assaut le temple de la forêt d'Unrain. En fait, est-ce que tu mets en peaceful? Non, mais ça s'est mis en easy normalement. Sinon, je le mettrais manuellement, mais voilà. Donc, maintenant. Oula. Et là, on est censé faire YOLO! Vous pouvez soit aller de haut en bas avec les échelles en mode jump du trop PGM et tout, ou soit vous faites YOLO. YOLO! Ouais. Tu paries combien qu'il meurt? Merde! Oh God. Je voulais y aller avec les échelles en mode BG, mais en fait, j'ai pas compris. Bah moi j'y vais en mode mineur. Ah. Parce que j'ai besoin de stone brick pour la en mode majeur, en mode mineur comme j'essaie de casser spawner. Oh c'est quoi ça? Vas-y. Eh je suis entré dans le donjon par une galerie secrète. Voilà. Wow. Voilà, j'ai des oh purée. Ah. Au secours, épargnez-moi. Il y a des zombies qui okay, me y a rien ici. Parfait. Y'a rien ici. On a cassé un spawner. Bon bah. Il y a tellement des zombies qui me courent après, c'est horrible. Donc on a des échelles, bon on en a un stack au début, mais si on meurt on peut en reprendre un autre stack, etc. J'arrive. Et si vous abusez du spam de boutons, vous pouvez même faire encore mieux, c'est-à-dire en prendre à l'infini. Putain à l'infini. Ce serait bien qu'on se sépare et qu'on soit pas groupé, parce que sinon... Ça va putain de merde, il y a des blazes. Purée, c'est tellement la meilleure idée du monde. Ouvrez tous les coffres et prenez tout ce qu'il y a dedans. 5 émeraudes, putain de merde. Je te laisse maîtriser tout ça. Ouais. Bonjour. MDR, les blagues. J'ai pas d'art, j'ai pas de flèche, et puis y'a un skate qui est en train. Quelle cruauté. Alors, on a des araignées, normalement elles ne sont pas empoisonnées, j'espère. Après, mais je suis mauvais. Ouais. J'arrive pas à entrer dans le truc. Oh purée, merci le squelette. Purée, vous y a avez deux trucs qui font tomber. Tous les coffres que vous voyez, vous les ouvrez dans l'un seul d'entre eux, dans le donjon qui est quand même énorme. J'arrive pas à spawner. Là, je connais une excellente méthode pour monter. Voilà. Et faites en sorte de ne pas viser. Torchez bien le terrain, comme ça, quand on sait qu'il y a des, quand il y a des torches, on voit putain qui a fait ça. On voit qu'il. C'est pas moi. Putain, il me spam contre un mur. La chaleur. J'ai plus que deux cœurs, mec, j'ai plus que deux cœurs. Fais gaffe à ce que tu fais. Putain mais j'ai plus que 3 cœurs mec, j'ai plus que 3 cœurs. Putain mais faut casser ce spawner à côté là. Je me casse le tour pour prendre, ok. Ah bah voilà, j'ai retrouvé mes chers zombies. Ils sont là, attendent sur le balcon. Oh merde, il y en a un qui a passé, putain, deux connards de bébé zombie. Je vais crever. J'ai qu'un cœur et demi. Bon bah j'y vais. Allez, faut que je comprenne ma santé d'abord. Et nous deux. Non, parce qu'à 3 coeurs, je suis pas sûr que je vais faire grand chose en fait. Purée, il y a un spawner de zombies, c'est la joie. Boum, niqué. Cool. Le pauvre Mr. Fanax, il est tout seul. Ah, ils sont nombreux. C'est pour ça que j'aime bien qu'il y ait plusieurs gens. Donc là, c'est vraiment une notion de fitness hein, pour le coup. Oh purée, les zombies sont tellement nombreux qu'ils sont incapables de passer plus, la porte. Oh, zongar. Casser les coffres au fur et à mesure. Hein. Ils sont faut les casser, ils sont partout. Non mais c'est juste pour se repérer quoi. Parce que je me suis entraîné un petit peu, hein, faut pas croire. Oh, j'ai eu 50 FPS pendant une petite seconde. Par contre, j'ose juste plus avancer. Il y a tellement de zombies qui bloquent le. Bah nous c'est des squelettes, tu crois qu'on est mieux nautis. Mais arrêtez de me spammer les mecs. Oh purée, j'ai réussi à torcher le spawner, si ça fait bien. Dommage que j'ai pas de TNT sur moi sur l'intérieur. C'est quoi ça? Mais mec, vous êtes combien? Putain, je suis en train de frapper avec un bâton depuis tout à l'heure, mon camarade. What? Un bâton. Fais chier, je suis en feu! Oh, je vais mourir. Y'a full stuff, nous enchanté. Ouais, j'ai récupéré une carotte, je suis content. Oh.
Ah, le problème c'est que nos armures vont pas faire grand feu, si tu vois ce que je veux dire. Surtout que la mienne elle est pas... La mienne elle est full pas enchantée quoi. J'ai Nether Star. Fais chier. Je me casse. First Blood. Je me casse. Oh purée, 5 diamants. J'aime ma vie. Moi aussi j'ai eu 5 diamants et j'ai une Nether Star. On est complètement... La Nether Star c'est pas mal, mais si ça sert à rien. Bah si, on peut faire des balises. Des balises c'est swag. Ouais, c'est swag. Oh purée, un nouveau spawner. Qu'est-ce que le ça va être? Ça donne des super effets de potion. Non, pas des blazes. Merde, 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 merde. Non, il y a des blazes de partout, je suis servi. Ok. Cache. Deux spawners à blaze, c'est l'amour. Bon, alors attention, j'ai pas de stuff enchanté, j'ai pas d'arc. Les jours du fanac sont comptés. Je me sers pas de mon arc, mais j'ai pas beaucoup de flèches non plus. Ah si, j'en ai 24. Si, j'ai 30 flèches si tu veux. Moi, j'ai récupéré 30 flèches. J'en ai 24, ça va. Quand une branche est entièrement prise, ça sert à rien de battre dedans, quoi. Alors, bon, la pickness est un peu redescendue, mais bon. Ok, pourquoi pas. C'est la routine. Il se vide. Écoute, dans un des coffres du donjon. Faut que je vide mes couilles, sinon on n'arrivera jamais à tout prendre. Que tu vides quoi? Faut que je vide mes sacs, mes poches. Mes bourses. Oui. Purée, trop de blé. Aidez-moi. Ah. Un blaze, t'as mort. J'ai plus de pioche. Bon, allez. J'en ai une qui est quasiment pétée. Si tu veux. Ce qui est marrant, c'est qu'ils sont pas ultra agressifs. T'es où? Sa mère. Bah, c'est quasiment où tout en haut. Un bloc d'émeraude devant. Non, c'est pas de toi que je parle, ta gueule. Ça, c'est lui que j'adore. Je suis dans un truc avec des toiles d'araignée et je sais pas combien de centaines de mobs dedans. Oh, bonjour. Tout pété. Non, c'est une araignée. Bonjour. Les blazes, ça me poursuit pas. Ouais, les blazes, c'est pas les plus dangereux, paradoxalement. C'est ce que les plus dangereux. Ouais. Je vais péter mon épée en diam à force de casser les toiles d'araignée, moi. Pareil, je pense que ça va être ça. Ah. Et c'est torché. Faire rigoler. Ah bah l'endroit a déjà une torche dedans. Putain. Non, bah il y a des torches, les torches elles sont naturelles apparemment. Nether Star. Il y a des torches naturellement. Ouais, elles sont... il y a plein de torches partout, mais c'est naturel. Ah, fait chier. Du coup, ça va être un peu chaud de se repérer. Ouais. Bon, bah bonjour les araignées. Hein. Ouais, écoute, ça sera plus épique si on se perd. Ouais, c'est. Oh purée, il y a des araignées partout autour de moi, mais elles sont coincées dans les toiles. Bouge pas. Ouais, ça fait chier de claquer mon épée en diable sur des toiles d'araignée, ça fait deux fois plus de dégâts. Ah, moi je suis en train de claquer sur des araignées. Ça fait deux fois plus de dégâts de durabilité que Nether Star. Ah, que de tuer un mob. C'est rigolo, j'ai deux Nether Star. Bloc d'émeraude YOLO. À la fin, on aura juste plus d'armure, mais genre super. Ouais. Oh purée, bonjour. Ok. Ici, c'est un cul-de-sac, merci, au revoir. J'ai récupéré ça là aussi, l'autre côté aussi. Ouais. Et tellement perdu, c'est horrible. Moi, c'est un cul-de-sac mental parce que je ne veux pas aller dans une pièce où il y a deux spawners. Enfin, aller dans un endroit où il y a deux spawners à blade. Non! Tellement en train de réussir à passer les enfoirés. On ne croise pas tant que ça de coffre au final. Il y en a genre une vingtaine dans le total du donjon. Et dans j'ai aucun respect, je mine du charbon. Il y a une clay. Une clé qui nous servira pour le monument d'avis. Ouais, bah du coup. Oh purée. Je te laisse investir cette branche, mon petit spiritou. Je vais juste pas du tout mourir. Attends, je suis en train de miner du charbon. Ok. Parce que je n'ai aucun respect envers le constructeur. Oh, bah, cool. Quoi que, c'était du générateur, donc on s'en bat. Une des Ah, c'est du générateur. UGA a fait genre 5 salles, 5 coffres différents, et puis c'est bon. C'est fini. Ok, 5 fers en plus. Il est parti où par contre, le fer dans le coffre, par contre, ça va nous être très très utile, si tu vois ce que je veux dire. T'es où par contre? Ce donjon est déjà partiellement investi. Où es-tu? Bon, pour moi, il y a toujours les pickpocks. J'ai envie de me. Est-ce que c'est normal que j'entende des dizaines de boules de feu en même temps? T'es peut-être près de là où je suis. J'ai l'impression que ça vient directement de ma pièce en fait, mais je vois rien du tout. What? Du coup, il y a un creeper que dans les toiles d'arrière. Je vais aller en spider parce que c'est un petit peu chiant. Ah, je me fais trop les. On va gagner des levels rapidement, c'est ça l'avantage. Ouais. On perd du stuff, niveau 10. De XP donc au final. Je suis parti niveau 1, je suis niveau 10. Moi je suis parti niveau 10. Pareil, moi je suis niveau 18, alors j'étais parti en bloc d'or. Purée, il y a des blazes pris dans les toiles d'araignée. T'es où CLB sérieux? Je suis dans un endroit pas pris. Putain, ok.
donc j'ai beaucoup trop de fils, beaucoup trop de machins. J'ai une carotte, ouais, hein, je la garde. La laine, j'en ai plus, les bâtons, le Osef, le cuir, Osef, les fours, non, ça peut servir. Non, la boucaine, Osef. Je suis encerclé. Voilà. Adieu, Mister Oh mon dieu! Ah ouais, c'est là que ça venait, d'une salle à côté. Il n'arrivait pas à bouger parce qu'ils étaient trop nombreux. C'est très la tension. Non. Non, mais là, je suis juste en mode mission suicide. Yo là. Oh purée, il est bête. Avoir une Charnes 2, ça peut servir. C'est la merde. Ah. Non, saloperie d'araignée, mon poisson dans leur toile. Non, moi aussi. Ah, il bouge. À mesure, fait chier. Ils se tuent entre eux, en fait. Purée, mais l'araignée. Je suis touché. Aidez-moi, je suis touché. Purée, l'araignée. Je sais pas, moi, je suis touché l'araignée, là. Oh la salope. Putain, fais chier. Ça c'est juste pas les gars. Aïe. Les araignées soient protégées par les blocs de toile. Fais chier. Je vais mourir. Absolument pas les gars. Je vais mourir, fuite. Il y a des blazes dans tous les couloirs. Ah, je cours n'importe où. Je n'ai plus qu'un cœur. Tu es déjà mort une fois ou... Non. Enfin, sauf en me suicidant pour rentrer. Un peu tort, vive dans le donjon. Bon bah, tant mieux. Je cours. On va faire gaffe à ne pas refaire tout le temps les mêmes trucs. Hein. Bah, en fait, c'est un petit peu ce que tu es en train de faire, c'est un labyrinthe en fait. Tu vois. J'ai réussi à m'échapper, puis c'était n'importe quoi. Voilà. Moi, je suis complètement paumé. Ah, par contre, je me suis perdu, effectivement. Donc, moi, j'ai 10 émeraudes, 5 diamants, 5 terres et un bleu. 14 émeraudes. Oh, ah, j'ai un toit de donjon. J'ai un toit de donjon avec des cavernes immenses. Il y a des blagues dedans, bon. Ah, bah, du coup, ce serait idéal pour une séance de minage, mais là, pour le coup, ben, Osef quoi. Vous avez les pommes de terre. Oh, le mauvais. Ah. Ouais, là pour le coup, oui. Mais en fait, j'ai quand creusé. Ça se connecte à des cavernes naturelles, c'est un peu n'importe quoi. Et du coup, je suis tombé pile sur les zombies. Ah ouais, ok. Mais genre, vraiment quoi. Ouais, c'est pas tellement fait pour des trop grosses cavernes en fait. Moi, je vais reprendre ton truc de. Des, il va falloir que je me suicide pour reprendre des. Je suis content, j'ai une carte et tata, t'as fait un arbre qui est tombé au milieu de l'eau. Il va falloir que je reprenne des. Mais non. Bonjour. Ah putain de. Ah, le FDP. Coucou. Mais attends, je suis pas sûr de pouvoir atteindre vos trucs là. Voilà. Je suis pas sûr de pouvoir atteindre mon arc. Oh putain. Quel bolos je fais. Fanax, je suis juste derrière toi du coup. Ah. Je suis juste derrière toi. Fanax, je suis juste là. Yes. Bon, une chausson. Ah bah bon, j'ai tué. Alors attention, ici il y a des squelettes donc vous pouvez retomber aussi vite que vous êtes monté. Je laisse gérer, écoute. Viens là, merde. Oh, fais chier. Ah bah il y a des. Fais ma méthode, tu casses un ou deux blocs au-dessus de l'entrée. Bon. Enculé. Allez, je vous rejoins. Non. Quoi? Un peu plus du tiers du temps à partie. C'était le talent ça. La taille. Épisode d'une demi-heure. J'espère que vous n'entendez pas mon son. Plus ou moins, je suis juste à côté de toi. Ah, je suis en train de me faire niquer. Je vais me violer. Ah. Lol, non. Merci. 5 fer, ça peut servir. Ok. Oh, bonjour toi. Oh mon dieu. T'as pas l'air si agressif. Oh mon dieu. Je viens de trouver une salle chelou. Bon, ah. Bah, je vais y aller parce que pas de soucis. Alors... Tous ces zombies. Ouais, donc n'oubliez pas qu'il y a vraiment la clé dans un des coffres, mais bon. Si on arrive à la trouver avant une demi-heure, c'est quand même la classe. Je pense que tu peux me faire un escalier parce que j'ai pas envie de crever. Tiens, ce que je vais faire, c'est que je vais poser une petite stone bricks à un endroit très précis. Il y a tellement de gens autour de moi, ils semblent tellement m'aimer. Vous savez ce que je vais faire? Je vais péter la classe, ne serait-ce qu'un petit instant. Et forcément, là, ceux qui font les donjons auront beaucoup plus de. Putain, fais chier. Ah merde! Beaucoup plus de que les autres. Vous êtes bien joué. Eh bien, bien joué! Non! Oh non, oh, je suis mauvais là. Bien joué, petit Jean-Paul. C'est bon, je vais lâcher le donjon, mais je vais mourir. Là, pour le coup. On pourrait tous record en fait. Ouais, la prochaine fois, faudra pour le prochain donjon, on aura. Peut-être même pour des épisodes, on aura des épisodes en plus. Vous ne m'aurez jamais en vie! Voilà. Mais purée, vous êtes. Mais pourquoi vous avez mis un bloc de. C'est le un bloc de quoi? Au pluriel. Non, mais parce qu'il y avait un bloc de briques en bas.
C'est... Ah, ah oui, c'est moi, c'est une petite machine à suicide. D'accord, une machine à suicide. Je ne vois pas exactement l'intérêt, mais c'est pas... Bah si, se recharger en échelle. C'est moi où il y a un bloc d'or juste au-dessus de moi. Ah non, c'est de la lumière. Oh, un endroit complètement inexploré. Oh, une deuxième Nether Star, ça peut nous en servir. Attends, bouge pas, j'en ai deux. Là. Bon, le seul petit souci, c'est que cet embranchement, c'est juste une seule salle. Ce donjon, il est vraiment petit. Pour le coup, Merde. Ah ouais, c'est pas mal le dessous du donjon, ça fait des grandes grottes. Oh, un bloc d'or. Ah bah, j'étais tombé dedans, justement. Oh non, mais sérieux. Quoi? J'ai passé quoi, là? J'ai descendu une échelle trop vite. Oh, bonjour. Bonjour, au revoir. Oh, ça Alors. Yams. Oh, bien. Oh, merde. Oh non. Quoi? Je suis tombé en... sur une échelle. Ah, j'ai cru d'ailleurs, en fait, t'avais cette... Faudra que tu resettes mon point de spawn. Sur CV, parce que moi, j'étais à l'arbre. Moi. C'était à l'arbre? Ouais, j'étais à l'arbre. L'arbre des tuiles? Ouais. L'arbre des tuiles. Oh purée. Oh, pas l'arbre des tuileries, hein, s'il vous plaît. Oh putain. C'est moi où tu vas, là? Oh sérieux? Oh, je l'ai. Oh, ouais, clay. Je l'ai entre mes mains. Je l'ai. Entre mes mains, oui. Putain, c'est quoi les coordonnées de la salle centrale, fait chier. Bonjour. D'accord, parce que j'ai dessiné. Oh, putain. Faut pas que je meure. Si je meurs, ce serait... ça pourrait presque invalider le truc, en fait, parce que ce serait un peu la loose. J'ai 32. Oh, j'ai un demi-sac de d'offrande. Putain, ok, des blazes, non, même pas en rêve. Pas par là. Oh, putain, oh non. Bonjour, vous êtes trop nombreux, au revoir. Putain, y'a tellement de coffres par ici. Oh, ça, c'est sûr, le méchant coffre du donjon. C'est sans doute la section la plus grande d'ailleurs. Mort. Et je continue d'explorer un petit peu quand même, parce que là c'est juste la mine d'or la plus parfaite. J'arrive pas à vivre. J'ai plus d'épée. Ah bah juste remplacé par la clay. Tellement la clay a de valeur. Bon. La clay ne one shot pas tout. La clay fait un demi cœur de dégâts parce que c'est une clay. Bon, les mecs, j'aimerais bien retrouver l'endroit. Sinon, bon, je pourrais me laisser mourir, mais ce serait la loose quoi. Ou alors tu me TP à nous. Et alors je meurs glorieusement en combat en essayant de grappiller quelques blaze rods en plus. Moi j'en ai 3, donc ça va. Aïe. Voilà. Putain, j'en ai 6, bon. Voilà, j'ai à Clay. J'ai à Clay. C'est B, je veux rentrer à la prison. Ah bah c'est terminé. C'est l'heure les enfants. Waouh. Allez. /tp@cl35, au revoir. Bonjour. Ah. Allez, on y retourne. Youhou. Par contre, ça fait quoi exactement? Il y a un levier qui ne sert absolument à rien. Normalement, il sert à quelque chose, hein, merci. Bah écoute, il sert à nous dire qu'on prend d'assaut le château et puis il nous donne un petit peu de stuff, donc des torches et. Des squelettons, des araignées, tout ce que je déteste. Oui. Bon, tu me diras, on a réussi du coup à grappiller au moins 40 flèches. Donc par ça le va. Sud, on a des échelles gratuites. Par là, ok. Parfait, si. Donc on peut suivre attention, le sud t'as simplement. Un zombie et... qui te suit. Alors, on peut suivre par le sud et après faudra essayer de retrouver les chevaux quand même. Donc on fera le tour de l'île une fois arrivé. Allez, c'est reparti. Quoique c'est la nuit, donc ce serait bien de dormir un petit peu. Dodo. Hein, Fanax. Dodo oui. Tiens, au fait, Fanax, où sont Ellie? Ellie? Bah, je sais pas. J'ai pas moi je vais récupérer le mien donc je m'en fous. Ah bah le mien ici. Spirit Wolf va dormir. Et Fanax aussi. Je suis en train de dormir. Ah. Parfait. Et hop, c'est parti. You. On reprend nos lits. Respectivement. Par contre je suis un peu fou. Oui moi aussi. Alors est-ce que je te rappelle la Undren's Forest Clay? Ou la Redstone? Voilà. Oh non, pas la clay. Underman! Putain! On l'a trouvé en liquide quand même, je savais pas que ce serait possible. Ce donjon là était relativement petit, c'est l'un des plus petits, je crois même que c'est le putain, plus petit. Quel enculé. Donc, ah, les œufs, prenez-les par contre, ils pourront nous servir. Tous les œufs que vous croisez. Non, moi j'essaye de chasser un Enderman moi quand même. Allez. Sur un putain de bloc de. Et moi je vais me retourner en mode solo. Suivez simplement vers le sud en sautant sur les. Sur la glace le et sud. Vous retrouverez. Vas-y, ah, bute l'Enderman, merde. Le sud. Le sud, je suis à l'est, le nord, l'ouest. Le sud, c'est dans la mer. Bah on va dans la mer sud. Bah oui, si on veut rentrer chez nous, c'est par là. Hein.
Allez, on rentre. Bah oui. Alors attends, c'est ouais. Pourquoi on rentrerait pas? Bah je ne sais pas. Il y a nos maisons, nos familles, enfin on n'a pas de famille, mais il y a Joris dans l'arme. Il y a Joris. Ouais, pour on Joris. On peut pas l'abandonner. On peut pas l'abandonner quand même. Allez, on serait viré sinon. Non. Il y avait pas de glace. Eh, c'est... l'eau est plutôt chaude par ici. Ah, hein. Oh, une fois que t'es dedans. Hein. Ouais, une fois que t'es dedans, c'est bonne. Hein. D'ailleurs, j'ai enlevé mon armure parce que c'est soignant. On l'a complètement défoncé. Mais... ah, ça fait bizarre niveau ambiance sonore. Il y a plus rien. Il y a plus de zombar pour gueuler. Il y a plus de blaze pour faire du bruit bizarre. Écoute, va sur YouTube et tu mets une musique métal. Et puis voilà. Tiens, je pourrais mettre du Crash 40. Non, mais sérieux, je vais le faire. Ah, cool. Tiens, je vais mettre Live and Learn, le thème de Sonic Adventure 2. Live and Learn, allez, c'est parti. Faudra le remettre au montage. Non, même pas au montage, pas besoin. Non. Je fais du en live. Que... bah oui, ah, du moment qu'il l'entend, ça fonctionne. Ça l'enregistre. Bah oui. Oui, ça un sacré pop, c'est comme ça que je le fais. Quand même. Peut-être pas tant que ça. La vidéo Massacre en Pop, c'est comme ça que j'ai fait, j'avais la musique dans les oreilles pile au moment. Voilà. Ah là là, ça me rend nostalgique du temps où j'écoutais tout le temps cette musique. Crash 40, ils ont composé des musiques pour Sonic durant l'ère Dreamcast, et c'est franchement des génies, je trouve. Leur musique défonce tout. Pour autant que c'est dans le teaser. Tu m'as dit que j'aurais à mettre du métal, bah j'ai mis du métal, écoute. Enfin, je sais pas si on peut vraiment dire que c'est du métal, je m'y connais pas tellement d'ailleurs. Dans ce domaine là même. Moi non plus, ça tombe bien. Ouais, quand même, c'est du hard rock en tout cas. Lui, c'est un truc avec des guitares électriques. Voilà. À un moment, j'apprenais par cœur leur musique. Hein. C'est de l'anglais. Hein. Et j'avais pas l'air con quand j'ai chanté. Bref. Ça n'a pas changé. Voilà, là où il y a la différence, c'est que cette fois-ci, il assume. Je suis tellement à la traîne. Moi, j'imagine que oui, je ne vois pas. On aurait dû tellement diffuser ça pendant le bonjour et pas pendant qu'on met des jumps sur la glace. On va mettre du Hans Zimmer. Du Hans Zimmer. Je préfère John Williams. Hans Zimmer, c'est même pas un compositeur. Ah, John Williams, il fait vraiment des trucs géniaux. Ça se trouve, pour la prochaine fois qu'on rentrera sur de la glace, pendant... après avoir fait un donjon, on mettra un peu de Hans Zimmer. Attendez, ellipse. Le même numéro bizarre, voilà. Donc c'est le fil rouge de cet épisode. Fil rouge de cet épisode, le troll. Le numéro chelou. Alors, j'ai peur de me faire striker quand même. Maintenant que j'y peux. Oui, j'avoue. Mais je sais pas si c'est sous copyright ce qu'a fait Crash 40. Eh bah tu verras bien. Ce sera la bonne surprise. Faudrait que j'en garde une copie et que je fasse des... Non mais franchement, se prendre un strike maintenant, ce serait vraiment vraiment un problème parce que vraiment très... on pourrait pas mettre de vidéo de plus de 15 minutes. On pourrait plus faire d'événements directs. On pourrait peut-être plus mettre de miniatures d'ailleurs. Bref, ce serait la merde. J'ai vraiment envie d'éviter donc je vais me renseigner un petit peu avant de poster la vidéo. Renseigne-toi sur les strikes, CLB du futur, avant de poster la vidéo. Voir si Crash 40 est sous copyright, etc. Bah, où est-ce que je suis, moi? Ah, c'est moi un copyright, mais après, est-ce que YouTube... Je suis en 2620, 63, 6135. Moi, j'ai aucune idée d'où je suis, mais je vais vers l'ouest, enfin vers le sud, comme tu l'as dit. Ah, pareil, je suis là, je suis juste à côté de toi, mon cher. Je vais vérifier si j'allais bien vers le sud. Attends, 4000, 6000, c'est vers le sud. C'était pas trop sûr. Je suis en 2000, 6000. Mais je sais pas où je suis, merde. Je suis en 2006000. On a réussi à se paumer, c'est génial. 2006000, donc là 2005000. Ah. Là 2006000. Vers le sud. Donc il va falloir aller vers l'est. Vers le nord-est en fait. Bon bah. Ouais, voilà, c'est bien ce que je pensais, c'est par là. C'est par là, allez. C'est dans l'océan profond. J'allais pas dans l'océan. J'ai vu CLB. Pareil, je le vois. Oh, mais bonjour, mais vous me suivez? Je me suis trompé de chemin. Bon. Oh purée, mince, on est sorti de l'océan. Non, enfin, mais à partir de là, il y a plus de glace en fait. C'est Non, mais à partir d'un moment, il y a plus de glace. Mais d'ailleurs, c'est étonnant parce que sur la map, il est marqué qu'il y a de la glace partout. Mais là, je pense qu'à partir de là, on quitte simplement la map. La grosse map de 6000 par 6000, tu vois. Je vois ma gueule.
C'est quand même pratique pour les voyages en bateau de mettre autant de personnes. Merci. Ouais. Je pense que le mec voulait vraiment faire chier à la base. Ouais, à la base c'est une map terraforming. Hein. Il y a de quoi faire sa survie dessus, mais c'est pas non plus l'objectif premier. Yeah. Oh, il y a moyen de faire un dé à coudre. Ça a immédiatement tilté. Ah, attention. Ouais. Hop. Celle des 35 a fait un dé à coudre. Si jamais il fail, il pourra vivre un autre tour. Voilà, donc la musique est finie, lol. Donc s'il y a un strike, il est passé, voilà. Ouh, ça détend. Ce fut éprouvant. Je sais pas du tout où je vais, en fait. Moi non plus. Je suis vaguement spirituel. Moi, je suis CLB, en fait. Moi, je suis vaguement mon instinct. Et c'est très rassurant. En plus, on va vers le nord. Ouais, je crois que c'est par là. Je veux mourir. Au pire, on fera un slash heal et puis d'amis. Mais on peut pas. Il y a pas de spawn point qui est là-bas et j'ai pas noté les coordonnées de l'arbre des tuiles. C'est génial. Bah moi, mon spawn, de toute façon, il est à l'arbre, donc. Ah ouais. La dernière fois que j'étais mort, j'ai respawn à l'arbre. Ah bah quitte-toi. Vite. On brûlera 10 émeraudes pour ça. Parce qu'on a pas fait tout le chemin retour. C'est bon, là, je suis devant le monument. Le transport de la clé, ça vaut bien 10 émeraudes. Hein. Faites-vous plaisir! Ah! Bénédiction. Même si je ne vous vois pas. Ah voilà. Quelqu'un a Flint and Steel? Ou l'un des deux? Ou quelqu'un a Flint? Non. Base. Non. Personne a Flint? Non. Personne. Et putain, il faut qu'on brûle les émeraudes. Voilà, regarde. Et ça, c'est éteint. Qu'est-ce qu'on fait du coup? Hein? Qu'est-ce qu'on fait? Bah, tu mets une torche. Voilà, je vais voir si on en a pas dans les coffres. Voilà, 10 émeraudes pour ça. Bien. Si on a, ça y est, on a du flint dans les coffres. Allez, ramène-moi ça. Attends, je te fais un briquet direct. Maintenant que j'y pense, du coup, ça fait 20 minutes et quelques, donc l'épisode est un petit peu long. Quand on a brûlé les émeraudes, on arrête l'épisode, du coup. Hein. Ok. Donc, là, ce sera l'épisode 12, on tombera clairement pas d'épisode 13 sans Ben 13. Ok, ouais. Ben 13, moi je vraiment arrivé dans l'épisode 12 ou l'épisode 13. Dans la cascade. Je fais tout brûler, Jean-Paul. C'est concluant parce que franchement, je m'attendais pas à un si grand succès. Je m'attendais à ce que ce soit un petit peu plus relou à faire les donjons. Mais au final, on s'est bien amusé, on a bien défoncé son stuff et. Oui, j'assume. 6, 5, 4, 3. 2, 1, 0. Oui, les CLB! Merde. Oh, toi, le dieu qui est au ciel. Alors. Enfin, on pense. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une liste pour voir si le système est bien fonctionnel avant de claquer la clé quand même. A tout de suite. Je ne sais pas utiliser un slash game mode 0. Tarjan fait de retour. Alors, CLB qui ne sait pas utiliser un slash game mode 0, ça c'est une première. Ouais. Sachant que je fais des tutos sur les commandes blocs, bref. Donc. Waouh! C'est un peu la honte! Donc, ouais. Tarjoff n'est pas là pour assister à l'allumage de la première lampe. Moi non plus, ah, vous avez fait le premier danger. Donc, voilà. Moi non plus, je me suis cassé. Donc, une première clé en place. Le premier donjon, il n'a pas été trop galère? Ah non, ça a été, on a trouvé la clé au bout d'une vingtaine de minutes à se faire défoncer par des mobs. C'était épique. Et puis après, j'ai passé du métal. Pas pendant, mais après. Ah, et d'ailleurs. Et on va se faire striker, et c'est la fin de la chaîne. C'est techniquement avec ce type de technique que je vais éviter de mourir plus que je suis déjà mort. C'est techniquement avec ce type de ouais, technique. Sachant que moi je me suis retrouvé à 15 morts, Fanax a 21 morts, putain. Ouais, blablabla, bla, bla, 16 morts, putain de merde. Et voilà, donc on a tout installé, donc on s'est bien fait défoncer nos armures, mais on a ramené plein de nouvelles ressources. Donc une trentaine d'émeraudes en ce qui me concerne, 5 diamants, 25 fer, 6 blaze rods. 3 Blaze Rod, 2 Nether Star, 5 diamants, 10 émeraudes et. Ah putain! Oula. Pourquoi vous avez mis la machine à poulet en mode œuf? Parce qu'on n'a pas assez de poules pondeuses, Holos. Bon, je sais pas, il y a un truc qui m'a fait exploser, je ne sais pas ce que c'est. Je suppose que c'était un creeper. Mais... Bah, c'est... quand un truc explose issu de nulle part dans la nuit, dans Minecraft, c'est souvent les creepers. Quand quelque chose explose tout court. J'avais oublié que ça existait en fait pendant le zoom. Ouais, ouais, je. On a une poule pour faire défoncer, j'ai que 3 coeurs, il y a des squelettes et il y a des mobs partout. Alors là, c'est le moment de stocker les
les stuffs en plus. Attends, moi faut que je retrouve les choux. J'ai pas de comment dire. Hein, je pourrais claquer une base rod pour faire cuire toute la bouffe d'un coup, mais bon. Je pense qu'on a autre chose à foutre avec la. Prendre un saut de lave. Hein. Ouais, c'est pas faux. je sais pas moi, mais on a le nether, on a les. Ah putain, culé. Voilà. Faire ce lave, c'est pas ce qui nous manque. Ouais. Je vais aller dans le nether et je vais faire tout ça. Surtout que la lave c'est beaucoup plus efficace que la blaze rod. C'est plus efficace et puis c'est beaucoup plus efficace que le charbon surtout. Et c'est beaucoup moins dur à faire. Voilà, j'ai claqué. Ah, avec mon pack, les creepers sont habillés. Ils ont arrêté. Je suis obligé de descendre du coup. À moins que. Attention, je vais faire une tour en cobble dans le nether. On a paumé les choux. Bref, on va arrêter l'épisode là-dessus les amis parce que j'ai pas fait gaffe moi. Il commence à être long, donc j'espère qu'il vous aura plu cette première clay. J'espère qu'elle aura été positive. Mon Dieu, qu'est-ce que je raconte. Voilà. Donc sur ce, je vous remercie du visionnage. Si vous suivez la série, partagez-la. C'est très très important si ça vous plaît toujours. Je m'assombris. Donc sur ce, je vous remercie du visionnage et je vous dis au revoir. C'était CLB. Et les autres. Ciao les gens. We'll be right back.